Respectez les gens qui ont vécu et qui continuent de vivre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien dans le Yves Hidero Show, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Sur NCI, la chaîne étoilée, ça s'applaudit. En face de vous ce soir, madame Yankangu Kachakimoto, chaka chaka chaka. Tchoukou tchoukou tchoukou. Tchaka 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 tchaka. Est-ce que tu te rappelles de ce soir? Souvenir d'un dimanche. Souvenir d'un dimanche. D'un dimanche épicé. Épicé. Je fais un gros bisou à monsieur Noël Douré, à Oulat Fola Chadé, les Amazones de Andy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Mimi, qui n'est plus à présenter. Oui, bonsoir, Ivy. Pourquoi ce beau sourire? Non, mais... Qu'est-ce qui te fait rire? Je suis dépassée. Tu es dépassée par quoi? Mais tout ça, là, je ne savais pas que tu avais fait karaté. Tu ne savais pas tout de moi, hein? On ne savait pas. Patrick Edouard, bonsoir. Très bien habillé en merci. Kimono. Merci. Tout le monde a respecté le thème, j'aime bien ça. En chic daddy. Oui, 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 voilà. C'est de... Chic daddy. Ah, c'est Yann qui fait ça? C'est Yann qui fait c'est ça. C'est très beau, j'aime beaucoup. Mimi, très bien habillée. Merci. La japonaise gothique. Exactement. Voilà, donc ce soir, je vous dis, ça va chauffer. Je vous ai annoncé en début de semaine que l'invité me donnait mal à la tête, mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous recevons... deux invités aujourd'hui et non des moindres. Donc, restez connectés. Ça va se passer tout à l'heure, mais entre-temps, on en rit. Vous manquez? Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Mon ex me manquait. J'ai bœuf, j'ai fait quoi pour les? Waouh! Non, c'est le bœuf qui est là? Oui, c'est mon bœuf qui est là. Mon bœuf à moi. OK. Hey. Elle a fait fort, hein. Le jeune a arrêté de dire « moi peu ». Non, mais ah. Non, c'est-à-dire il est mitigé. Mais lui-même, il s'est dit « moi, s'il est peu ». Il voit ça comme une insulte. En même temps, ce sont des éloges, tu vois. Donc, le gars lui demande « est-ce que ton ex peut te manquer ?» Elle dit « elle est la bœuf, elle va faire quoi, elle poulet ?» Donc là, on ne sait pas si c'est un jus ou si c'est un compliment. Donc, le gars même, le bœuf même a arrêté. Le bœuf est là. Et puis, il regarde maintenant le berger. Voilà. Il est devant. Patrick, Mimi, toi, tu vois ton ex dit ça comme ça à la télé de toi. Bon, ça, c'est lui qui voit, hein. Bon, parce qu'il y a des gens qui aiment la viande rouge, puis la viande blanche. D'autres disent que la viande rouge, ça donne beaucoup de maladies. La viande blanche, la viande de poulet, ça, c'est facile à digérer. Donc, ça dépend. Oui, mais ça sort d'où, je comprends. Oui, là même, moi, je sais même plus ce qu'elle t'a dit. Oui, oui. Parce que chacun a son choix de viande. La viande rouge. La viande a quoi à voir, là? Elle dit, c'est son bœuf. Elle va consommer. Elle dit, elle va consommer. OK. Patrick, et toi? Que quoi? Qu'elle m'appelle, qu'elle me considère comme un bœuf. Non, elle ne peut pas me... Elle ne veut pas me chosifier. Comme ça, et puis elle dit, mon bœuf est là, je vais faire quoi. Elle dit, non, c'est pas, on n'est pas à ce stade-là. Bien. Estelle, comment s'est passé ton week-end? Bah, ça a été... Non, le week-end dernier. Le week-end dernier, après ma première parution ici, mais il y avait du feu dans mon téléphone. Comment ça s'est passé? Ouh là là, tous les revenants sont ressuscités. Eh, tu imagines? Bien sûr. Les bœufs. Les poulets ou les bœufs? Les poulets. Les poulets. Les poulets. Mais et le bœuf? Le bœuf, il est attaché, il est là, il attend. Patrick et toi, la première émission de la deuxième saison. Oh, c'était spectaculaire. J'ai reçu des messages, des menaces, tout. Ah oui, parce que tu es allé fort quand oui, même. Oui, oui, oui. Tu nous réserves quelque chose aujourd'hui. Oui, très épicé. Avec le mot catastrophique. Ophique. OK, d'accord. Et toi, Mimi? Mieux, comme toujours. Le retour. Super. Les gens ont aimé. Mais moi, je t'ai trouvé un peu... Oui, je n'étais pas trop dans mon assiette, trop quoi, en santé. J'étais un peu malade. Mais tu étais malade, pourquoi tu es venue? Non, mais bon, j'ai cru que cela allait, en fait. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai... Tu te rends compte que si tu tombais ici sur le plateau, j'avais tous les problèmes du monde? Ah bon? On allait dire que je t'ai sacrifié. Non, mais riez. Non. Riez parce que dans ce pays-là, même quand vois-tu prendre chien, on dit c'est moi. Non. Hein? Non, mais c'est passé, c'est passé. OK, Dieu merci. Bienvenue parmi nous. Merci. En bonne santé. Merci. On va accueillir maintenant nos invités. Waouh.
Moi, j'ai triché, je suis allée regarder parce que ça me donnait mal à la tête. Mm-hmm. Donc, je voulais forcément voir qui allait être là aujourd'hui. C'est vrai que vous ne savez pas, mm-hmm. mais moi, j'ai triché. Et on va demander à Zoku, l'ordinateur, de nous donner l'image de nos deux invités. Ce soir. Ça va se passer. Attention. Ouais. Je vous ai annoncé, je vous ai dit que cette saison, ce sera sans pitié. Ça a commencé comme ça. Et je suis la seule à réunir ces deux hommes sur un plateau de télé. N'est-ce pas? Ça s'est déjà passé? Non. Applaudissez-moi. Plus tardé, nous allons passer à la présentation décalée de Madame Agière. D'accord, et je commence par mon voisin de droite. Son patronyme est fortement associé au scandale. Homme de Dieu en théorie, mondain dans la pratique, il a un parcours atypique. Originaire de la région du Gord, Doumé précisément, il est d'ethnie Gbon. On lui a longtemps attribué plusieurs nationalités, notamment celle de l'Afrique centrale. Ancien gangster, repris de justice, c'est un personnage controversé. Depuis décembre 2019, il est le président de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, à la tête de 85 fédérations, dont 10 500 pasteurs. Avec l'avènement des réseaux sociaux, il s'est improvisé coach en stratégie, motivateur et influenceur. Il se définit comme le père de la marmaille, terme qui, étymologiquement, signifie bande, troupe d'enfants désordonnés. Pour vous ce soir, dans le Ivy de Rochaud, le général Camille Makosso. Nous avons un deuxième invité. Oui. Fais attention, hein. Ah oui, là, je crains, j'en tremble même. Mais bon, je vais essayer. Le mysticisme n'a plus de secret pour lui. Réputé dans le domaine de la sorcellerie, de la voyance et du fétichisme, Zaté Zaïa, de son vrai nom, est ressortissant Doumé, précisément du village de Konanka Gomeneda. Gomeneda, d'accord. Grande gueule et remplie d'assurance, l'homme déclare être né mystique. Il faisait même des prouesses à 4 ans, d'où le rejet de ses parents. Les défis, il en a relevé face à ses co-religionnaires ou même à des pasteurs. Sorciers, féticheurs, mystiques, malfaisants, toutes ces dénominations lui sont attribuées dans le domaine chrétien. Intrigant, voire provocateur, des fois, l'on a bien envie de se demander entre le bien et le mal, qui triomphera ce soir sur ce plateau de Ivy de Rochaud? Pour vous, Aziz 47. À présent, chères étoiles, Cozy Time. Bon. Moi, mais j'ai peur de l'émission. Émission où si tu parles mal, l'homme de Dieu va te maudire. Si tu parles mal, président des sorciers aussi va te lancer sort. Où allons-nous? Nous sommes avec deux présidents. Le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, le président des sorciers de Côte d'Ivoire. J'ai voulu dire trois présidents. T'as dit deux présidents, une présidente. La présidente des frontistes. Oui, oui. Des femmes qui ont front en Côte d'Ivoire. C'est moi. Moi,
en général que j'appelle affectueusement papa. Comment ça va? Ça va. Ça va super bien. Je ne t'ai pas encore vu depuis. Exactement. Alors, félicitations à toi. Merci, papa. Tu es maman. Merci. Félicitations aussi à Mimi. Merci, papa. Autre. Merci. Moi, ça va. Ça va. Bon, tu es mon papa maintenant. Ouais. C'est dans la sorcellerie. Tous ceux qui m'attaquent, il faut framponner. C'est ce qui est clair. Voilà. Papa, dis, comment ça va? Ça va très, très bien. OK. Bienvenue au Ivy de Rochou. Les gars, vous pouvez les croquer avec beaucoup de bruit. Afrique. Bon, moi, ce qui va attendre... pour Aziz 47, la place Vendôme, ça vous dit? Oui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il paraîtrait que vous auriez frappé de cécité un pasteur lors d'un défi. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement? C'était une émission qui avait été organisée par Feu Paul Ducuy. À l'époque, on faisait l'émission Mythe et Mystère. Et il avait voulu qu'il ait une émission de croisade. Où il doit avoir tout genre de personnes, imams, pasteurs, prêtres. Nous tous nous sommes réunis. Moi étant mystique, j'ai été invité avec d'autres de mes collègues. Mais apparemment, il y a un pasteur qui serait déplacé de San Pedro qui était venu juste pour m'humilier, au fait. Voilà. Mais est-ce votre vocation de frapper les gens d'aveuglement, de cécité? Oui, ça existe dans notre domaine. Parce que dans notre domaine, même nous, on n'a pas de président. Moi, je ne suis pas président. D'accord. Je suis féticheur, je ne suis pas président des sorciers. Parce que le mot sorcellerie attire à d'autres choses. D'accord. Je suis pas président même des fétichés, même d'abord. Je suis fétichés. Dans notre domaine, affaire de président, ça va beaucoup de problèmes partout. Donc, je ne suis pas président de quelqu'un. Ça veut dire que faire coupe fait. Un autre féticheur peut être attaqué. Il y a un village, donc je ne suis pas président. Est-ce que vous avez des nouvelles du monsieur que vous avez aveuglé, le pasteur, en 2022? On a eu beaucoup de problèmes comme ça, donc je n'ai pas de ces nouvelles. Et donc, vous êtes heureux? Vous êtes heureux comme ça? Non. Sachant que vous avez rendu quelqu'un malade? Je n'ai pas rendu quelqu'un malade. Bah, si la cécité, c'est une pathologie. Quelqu'un est venu me provoquer. Il est venu me lancer un défi. Lorsqu'il y a un défi, c'est qu'il y a une riposte. Si quelqu'un vient vous taper ou il vient vous humilier, vous allez réagir à votre manière. Donc, il est toujours aveugle? Je n'ai pas de ces nouvelles même. Et vous ne cherchez pas à en avoir? Non, je n'ai pas de ces nouvelles. Il l'a fait? Je n'ai pas de ces nouvelles. J'ai été même interpellé par le 17e arrondissement à l'époque. Mais moi, j'ai dit ce que je pensais. Bah, y a d'autres ça veut dire que si les policiers s'amusaient même... Il y a d'autres qui ont débarqué chez moi, ils ont dit que non, ils sont venus me délivrer chez moi à la maison. Hein? Des pasteurs? Oui, ils sont venus chez moi à Azito. Chez moi à la maison, cette affaire arrive au 17e arrondissement. Ils font partie du bureau du président? Non, mais non. Moi, je pense pas. Je ne connais pas leur bureau même, je ne sais pas qui est président, qui n'est pas président. Le voici, donc. Ah, c'est maintenant... oui, il y a longtemps, il y a... Ça va se passer, le coup du marteau. Ça va chauffer, le coup du marteau là-bas. Mettez ça pour moi, je vais danser un peu. Le coup du marteau, toi, le pas. Encore. Comment t'es gâté? Partagez, appelez vos parents, vos nièces, vos oncles. Appelez vos ex, appelez vos chéris. Appelez les tisas. Les bœufs et les poulets. Dites-leur que nous recevons ce soir le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, Makoso Camille, et celui qui refuse le titre de président des féticheurs de Côte d'Ivoire, M. Aziz 47, qui a frappé de cécité un pasteur qui a voulu le défier. Et s'est retrouvé au 17e arrondissement. D'autres pasteurs ont voulu, de force, le désenvoûter. Mais eux aussi, ils ont failli être aveugles. Ce soir, nous saurons si... des deux messieurs présents, un repartira aveugle ou un autre en boitant. Monsieur Makoso Camille, qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre? Est-ce que ce sont de vrais pasteurs? Est-ce que pour pouvoir désenvoûter un féticheur ou un sorcier, on a besoin de lui dire ça? Dans un premier temps, d'abord, je vous remercie pour cette émission très sensible et puis aussi très intéressante. La seule chose qui me déplaît, c'est que la majorité des personnes qui nous suivent actuellement sur les réseaux sociaux ne sont pas en train de partager la vidéo au maximum possible. Je pense que... Partagez. Il y a plusieurs personnes qui ont rêvé de voir ce face-à-face parce que M. Azizo 47 est quelqu'un de médiatiquement très connu. J'ai la chance d'avoir 2 500 000 abonnés. D'être l'une des personnalités de ce pays, d'être aussi les plus connus. Et je pense que d'abord, je n'ai pas l'identité de ce pasteur, mais c'est d'abord mal élevé d'aller chez un féticheur pour dire « je viens pour te délivrer, je viens te lancer un défi ». D'abord, sur ce plan, c'est d'abord mal élevé.
Je pense que Christ est venu pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Chacun est libre de pouvoir l'accepter ou pas. Il rendra compte à Dieu au jour du jugement dernier. Mais je pense que si l'on a la possibilité de rendre quelqu'un aveugle, j'aimerais le voir sur le plateau. Je voudrais savoir si le pasteur Makoso... En toute courtoisie, hein, je veux que cette émission se passe en toute courtoisie. Êtes-vous prêt à vous prêter au jeu? Lequel? Ce dont vous venez de parler, vous voulez voir s'il peut rendre quelqu'un... Madame, ça me fait exactement 25 ans, c'est-à-dire bientôt... Non, vous ne me répondez pas. Je vous réponds. Vous êtes prêt? Je vous réponds, madame. D'accord. Ça me fait un quart de siècle. D'accord. Que je suis dans le ministère. J'ai vu des aveugles voir des paralytiques se lever dans près de 33 pays. Je suis prêt à relever n'importe quel défi au nom du Seigneur Jésus. Amen. En tout cas, on a bien envie de voir ce que ça va donner. Mais je souhaiterais que... Non, s'il vous plaît, je souhaiterais que ça se passe vers la fin de l'émission. Bien sûr. Parce que nous avons encore besoin des deux, ici. Donc, voilà. Attendez, vers la fin. Vers la fin, vous allez vous aveugler ici. Pendant ce temps, il y aura des personnes pour constater. Hein, je fais un big up à M. Nizako Ange. Nous voulons voir clair dans ce qui va se passer. Alors, une question. Oui, moi, je voulais savoir. Ah, d'accord, vas-y. Je voudrais savoir, M. Makoso, qu'est-ce que ça fait de rencontrer une personne comme lui? Je veux dire... Comme M. Aziz 47. Qu'est-ce que ça, en termes d'émotion spirituelle, par exemple, qu'est-ce que vous, ça vous apporte? J'adore quand on m'appelle général. Général. Merci bien. Ne porte pas le coup de général. Qui veut. Écoutez, d'abord, Aziz 47 et moi, nous venons pratiquement de la même région. Mm-hmm. Voilà, donc on a déjà eu l'opportunité d'échanger pour parler des problèmes de notre région. Mais à partir du moment où nous entrons dans un monde spirituel, chacun vient défendre son entité. Donc pour moi, personnellement, je regarde mon frère en face, je le pèse spirituellement, je peux dire que ça va. Ok. Il se défend bien. Oui, il se défend bien. Je pense qu'il a la queue de cheval avec lui. Beaucoup de personnes le craignent, mais... C'est un enfant devant vous. C'est un fils. Monsieur Aziz 47, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Je vous retourne la question par rapport à lui cette fois-ci. Non, Makoso n'est pas venu avec une Bible. Ah. Donc apparemment, je suis venu discuter avec un monsieur, un frère de Laissez-moi mon village. Laissez-moi partir. Ici, voilà mon bénévole. Voilà ma Bible que j'ai envoyée. Uh-huh. Ça, c'est ma Bible. Voilà. Makoso n'a pas envoyé de Bible. Donc, je ne sais pas si je suis venu discuter avec un pasteur. Parce qu'un pasteur se réfère à la Bible. Et avec les versets. Apparemment, il n'a pas de Bible. Donc, apparemment, je pense bien qu'il n'est pas venu au titre de pasteur. Il est venu au titre d'influenceur. Nous sommes venus faire un débat d'influenceur à un féticheur. Ah. Mmh. Je vais répondre rapidement. Rapidement. Le Sazir 47 doit revenir au temps du 2.0. La Bible est désormais électronique. J'ai ma Bible. La Bible est électronique, j'ai ma Bible. Et les versets bibliques que vous attendez vous seront dévoilés avec précision et détermination. Non, Mimi, vas-y rapidement. Moi, j'ai ma question à Papa Aziz 47. Est-ce que vous savez que dans le futur, on ne sait jamais, vous savez que vous pouvez servir le Seigneur? Mais je sais déjà les ancêtres. Je veux dire, donnez votre vie réellement à Jésus. Vous savez que ça Jésus, je ne le connais pas. Jésus, c'est votre parent. Vous êtes parenté à lui. Je ne le connais pas. Mais est-ce que dans vous croyez en Dieu? On a 64 intinis en Côte d'Ivoire. Le nom de Dieu est prononcé dans toutes les langues. Jésus n'est pas prononcé quelque part. Je ne le connais pas. Ah, je ne peux pas donner ma vie à Jésus. Mais Jésus, lui-même, si il est fort, n'a qu'à prendre ma vie. Et c'est moi qui ai besoin de lui donner. OK. On va aller au Doka. D'accord, allons au Doka alors. Il s'achauffe ici. Regarde d'avant. Ça s'est passé. Hein. Ah. Partagez. Partagez. Vraiment, c'est chaud. Un peu d'eau. Là. Appelez tout le monde, appelez tous ceux qui sont à Oumé, qui viennent témoigner du général, ce que le général a pu faire à Oumé. Ce que. Comment vous, on vous appelle? Je m'appelle Aziz 47. Il n'y a pas un. Barrière pour tout. Dites-nous.
ce que M. Kpaliegbudu a pu faire pour... Ih, j'ai failli casser mon cou. Kpaliegbudu a pu faire pour la ville d'Oumé, c'est ça? D'accord. Donc, tu lui as demandé si un jour, il peut donner sa vie à Jésus. Il dit Jésus n'est pas son parent. Qu'est-ce que M. Makosso a... Est-ce que vous pensez que... Vous pouvez... Je pense que... Attendez, on va faire le doka. Parce que je sens... Ça dit, vous n'avez l'énergie, pas les yeux spirituels. Moi, j'ai les yeux spirituels. Et ce qui se passe en ce moment devant moi, je vois quelque chose qui se passe au milieu. Tu en trembles. Mais vous ne voyez pas. Moi, je vois quelque chose. Il y a un combat. Il y a un combat qui se passe entre Kpaliegbudu et le général. Boudou aussi. Parce que deux bancs. Kpaliegbudu, ça veut dire quoi? C'est cric 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 cracra nyon akunya palier bouzo. On fait le doka, pardon. Doka, on a lancé non. Doka de cette fois-ci là. On va parler, on va revivre. Cric cric quoi. Primude. Pourquoi c'est mon rire? Patrick Edouard, Primude. Ok. Alors déjà il faut remercier, il faut féliciter déjà le Mola pour son travail qu'il. Enfin, chaque année il y a une forme d'évolution qu'il essaie de transmettre. Il écoute vraiment les différentes critiques. Cette année, franchement, au-delà de plein d'autres choses, moi, j'ai apprécié la cérémonie dans sa globalité. Maintenant, il y a eu beaucoup de problèmes que moi, j'ai remarqués en termes de stylisme, en termes de récompenses, etc. Mais je pense qu'on va faire un tour de table pour permettre aux autres de pouvoir communiquer dessus. Monsieur Aziz 47, vous suivez le Primude? J'ai été nominé et j'ai gagné. Oui. Gagné dans quelle catégorie? Tradit moderne. Nous notons 15. Chanson? Oui. Ah, vous chantez aussi? Ah, c'est pas, je n'ai pas encore de voir. Attendez. Et pourtant, tu finis debout de la chéquée. Qui vous a dit ce secret? Voilà ça. Ils m'ont... Il a gagné, hein? Voilà ça qui est déposé ici. Adama. Par contre, les gars, est-ce que je peux avoir deux pour mes deux invités, s'il vous plaît? Les notes, vous pouvez les mettre. OK. Donc, vous avez été primé. Vous avez gagné un trophée. Oui. Tradit moderne. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes féticheur que vous avez gagné? Parce qu'il y a beaucoup de... Vous étiez dans la catégorie. Il y avait qui dans votre moderne. Catégorie? Il y avait Nguez, Bon Sens, Afou Keïta. Vous avez gagné devant eux? Oui. Est-ce que ce n'est pas... Vous n'avez pas utilisé... D'abord, depuis 2019, Varitoscope, c'est moi. Vous avez gagné à Varitoscope? Non, le morceau de ceux qui ont remporté Étoile du Guémon, c'est morceau imposé, quoi. Morceau au choix. Quelqu'un peut me redonner ce morceau? J'ai plusieurs morceaux. Donc, le morceau au choix de Varitoscope. Morceau au choix de Varitoscope. Zia Kawaleni, oh Kawaleni, Kawaleni, oh Kawaleni, Zia Kawao, Kawao, Kawao. C'est moi. Et cette année, je suis l'artiste tradit moderne, ou dans des moindres, où il y a 6 morceaux différents qui ont été étudiés par les enfants en présélection. Et je suis allé jusqu'en finale, en cette année. Mais ça, est-ce que... Et ce n'est pas la première fois. Et ce n'est pas aujourd'hui que je suis nommé. J'ai été meilleur artiste de Pédoum en 2021, meilleur artiste de Go. Tous ces trophées, j'ai commencé d'abord chez moi, j'ai raclé chez moi avant de venir prendre ça. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça n'a rien à voir avec le fétichisme. Mais toute personne, tout à l'heure, si Makosso reçoit un prix, va dire au nom de Jésus, Jésus lui a donné. Moi, c'est mes ancêtres qui m'ont donné aussi. C'est ça. Donc plus toute personne, même si un bouddhiste va dire c'est au nom de Bouddha, si un imam reçoit, il va dire que c'est au nom de Allah. Moi, c'est au nom de mes ancêtres que j'ai gagné. Ok, d'accord. Donc, attends, ça a une manière de dire que c'est du fétichisme qui lui a permis de ça, ou bien ce sont les ancêtres qui vous ont permis de... Je sais pas. Mais chacun est libre de prendre le mot qu'il veut. Si c'est vrai de Jésus, tu as dit Mahomet, c'est moi, c'est mes ancêtres. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, sur le Primude? Le Primude, ceux qui sont enceintes et pleines n'ont qu'à se plaindre. Mais ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'il y a 60% des votes appartenaient aux artistes eux-mêmes. Ceux qui ne sont pas allés voter, chaque vendredi, on faisait le point de qui est premier et qui n'est pas premier. SMS 40%, il a pris premier jusqu'à la fin. Et j'ai gagné Internet. Mais pourquoi eux-mêmes doivent savoir qu'ils devaient gagner? Ça étonne qui? On vous dit de voter, vous êtes assis, vous ne votez pas. Nous, on a pris nos millions, on a mis dedans, on a gagné. Mais donc, vous mettez des millions dans un vote? Est-ce que vous méritez vraiment ce prix? C'est ça, c'est la grande question. J'ai gagné SMS à qui vote? Un seul Facebook, une seule fois. J'ai gagné SMS, j'ai gagné Facebook. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de votants sur Facebook, eux tous.
Parce qu'il a gagné Facebook. Et, tout est visible, hein. Et les millions dont vous parliez tout à l'heure, là. SMS, c'est pour SMS. Chacun okay. doit se voter. D'accord. Vous avez mis combien de millions dans les SMS? Moi, personnellement, mes réalistes et les camites ont cotisé l'argent pour me voter. Combien donc, j'ai gagné. Ça? Je pense que ça tourne autour de 5 à 6 millions. Vous gagnez ça? Il dit, il y a des femmes qui ont des millions dans le compte, qui sont animatrices. On ne leur donne pas grand l'argent, mais elles viennent animer pour leur honneur. Il y a des personnes qui sont milliardaires, qui sont devenus, ils décident d'être maires. Or, dans la mairie, il n'y a rien. C'est pour dire que quand tu fais un travail là, tu as besoin d'honneur. Ça, c'est mon honneur. Mimi et toi? Oui, moi, j'ai aimé les artistes qui se sont prêtés au jeu, vraiment. J'ai beaucoup rigolé, j'ai vu... Jeu. Ah, le déguisement. Donc, c'est une soirée de déguisement. Bon. Cette année-là, vraiment, j'ai pas compris. Mais il y a eu trop de déguisements, mais c'était super, en tout cas. Moi, par contre, je voulais faire un big up au général, à Kim, que j'ai trouvé superbe. C'est Kim qui était à tes côtés, non? Kim et Métis. Et Métis, mais c'est Kim qui est ma chérie. J'aime bien Métis, mais c'est Kim qui est ma chérie. Donc, elle était très bien habillée. Écoutez, on parle d'une soirée quand même classe, oui, qui est retransmise dans le monde entier. Il y avait plus de 200 millions de téléspectateurs. Donc, pour nous, la soirée était magnifique. Moi, je vais toujours avec mes deux filles pour qu'elles puissent s'habituer un peu au monde de la culture parce que l'autre est maintenant dans le domaine des affaires. Elle a sa marque, elle a sa société à elle. Mais peut-être qu'on y reviendra et autres parce qu'il y a des petites choses, je pense, qu'il faut corriger. C'est ça. Voilà, qu'il faut corriger au niveau des déguisements, non, des mais personnes. Vous pouvez y aller. Des personnes qui viennent avec des seaux dans les pieds, etc. Vous savez, on parle quand même de l'Hôtel Ivoire. Numéro 2, ce n'est pas les seuls prix qui existent dans le monde. Arafat Didier a remporté beaucoup de prix, je pouvais le dire, en Afrique du Sud, un temps soit peu haute. Vous ne verrez pas certaines grimaces qui se feront. On n'est pas à Halloween, on est dans une soirée classe où des autorités du pays arrivent. Le chef de l'État ne pourra pas venir s'asseoir dans une telle cérémonie et puis quelqu'un viendra avec un poc dans sa main. Parce que les associations des droits des défenses des animaux peuvent te poursuivre. Pour te dire, écoutez, tu viens avec un poids dans lequel... C'est beaucoup de choses qu'il faut corriger, parce qu'il faut des... C'est une soirée assez importante. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Et c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas seulement à s'asseoir, parce que l'enfant d'Abobo, il dit, oh, ça fait quoi? Ça fait rire. Non, ça fait pas rire. On vend notre pays, et dans l'art de la haute stratégie de la marmaille, il faut savoir vendre le pays pour que beaucoup d'argent encore puisse entrer. Donc, ce qui ne fait pas vendre, on enlève ça dedans. Voilà, tu rentres à l'entrée, tu n'es pas dans une tenue convenable, mon cher ami, rentre chez toi à la maison. Déjà même, tu ne viens pas vous prendre un prix. Donc ta présence comme ton absence, on n'a pas besoin de ça. D'accord. Estelle, moi, j'aimerais rebondir sur la question de vos filles, et si ce n'est indiscret, quel âge elles ont? La première, elle a 18 ans, la deuxième, elle a 17 ans. Et vous pensez que ce milieu-là, ça leur convient? Parfaitement, parce que ce milieu n'est pas un milieu de bandits, ni de voleurs, ni d'agresseurs. C'est un milieu de la culture, c'est un milieu où différentes personnalités arrivent. Et puis c'est aussi un milieu de contact. Quand vous avez une dame comme Emma Louès qui se présente, qui est aussi chef d'entreprise, des hauts partenariats puissent se faire. Parce que dans la stratégie, dis-moi quels sont les lieux que tu fréquentes, je te dirai ce que tu deviendras. Donc il est important que mes enfants, dès d'enseignants des milieux, pour voir clair comment ça se passe. Parce qu'il y a aussi des annonceurs, il y a aussi des directeurs d'entreprise qui sont présents et ça s'échange les contacts ainsi que les cadres de visite. Donc pour mes filles, c'est l'endroit idéal pour se faire de bonnes relations. Ici, la majorité, c'est 21 ans. Moi, je trouve qu'elles sont surmédiatisées, vos filles. Vous le trouvez? Oui. Ma fille est sur les réseaux sociaux, ça fait bientôt 2 ans. Elle a bientôt 1 million d'abonnés. Elle n'a pas demandé ma permission pour y être. Je ne dirais pas que les Kardashians sont surmédiatisées parce que tout simplement, elles ont fait le choix d'être des personnalités publiques. Nous, notre famille a fait le choix d'être publique. Ah, d'accord, c'est de père à fille. Tout à fait. En fait, c'est les Kardashians de la Côte d'Ivoire que vous voyez comme ça. Waouh, c'est prétentieux, ça. Non, c'est une vision. C'est prétentieux, d'accord, merci. C'est pas une prétention, c'est une vision. D'accord. Eh bien, si tu as quelque chose à dire, puis... Non, moi, ce que j'ai à dire, c'est que déjà, je félicite Moula. C'est une très belle initiative, c'est très bien. Mais cette année, franchement, je ne sais pas si vous avez remarqué que moi, je n'y vais jamais. Ce n'est pas voilà, parce que... Pourquoi même? Non, ce n'est pas un boycott, mais je suis quelqu'un qui n'aime pas trop la foule, à part pour mes spectacles. Vous allez constater que j'aime beaucoup offrir les tickets de spectacle. Moi-même, j'y vais rarement. C'est parce que je suis un peu, j'ai une maladie qui fait que non. À part, rigolade à part, la foule. Je ne supporte pas la foule. Je ne supporte pas la foule.
D'accord. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie ou bien je boycotte. Moi, quand il y a la bousculade, mm-hmm. je ne supporte pas. Hein, je peux m'écrouler. T'es agoraphobe. Voilà, je suis agoraphobe. Mm. Je n'aime pas le dire, mais je vais m'écrouler. Et je suis aussi asthmatique. Oh là là. Donc, j'évite hein, ce genre d'endroit qui, où je peux sortir avec une humiliation. Pendant que nous savons que ces derniers temps, tout le monde utilise des téléphones à tout va. Dès qu'il y a quelque chose, on se met à filmer. Je ne veux pas que les gens filment mon cycliste rouge. Parce que je ne sais pas comment je vais tomber devant les gens. Voilà, donc c'est à féliciter. Mais cette année, franchement, ça a été un loupé, selon moi, au niveau du stylisme. Voilà, voilà, surtout ça. Sincèrement, comme le général a dit, c'est une soirée vraiment pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un gala qui existe depuis des années et qui est beaucoup suivi. Bon, là, j'ai essayé de reproduire ce que ma cousine derrière, si on peut revenir sur la photo de ma cousine, Emmanuela Keita, a voulu faire. C'est-à-dire une tenue geisha, un maquillage geisha. Mais sa maquilleuse ne lui a pas dit la vérité. Un maquillage catastrophique. Voilà. Donc, j'ai essayé de reproduire pour lui montrer que la prochaine fois, si elle veut le faire, c'est comme ça qu'elle doit le faire. Cousine, gros bisous à toi. Pour finir avec la question du prix, je vais rebondir sur... la tenue, par exemple, tu as... Bon, déjà, si elle voulait faire du... ça dit une tenue... Enfin, un clin d'œil à la tenue geisha, qu'elle ne porte pas du prêt-à-porter pour le faire, en fait, qu'elle aille du début jusqu'à la fin de son processus, elle prend une tenue vraiment asiatique qui représente... Prêt-à-porter asiatique. Asiatique pour le représenter. Et son maquillage, franchement, c'est une catastrophe au niveau, vraiment, ça coule quasiment. Quand on regarde, et ça la vieillit, ça lui donne le double de son âge. C'est revenu à ce mot, catastrophe. Oui, malheureusement. Ça lui donne le double de son âge. Elle était ta voisine la semaine dernière. Oui, je sais. Hypocrite. Non, je l'apprécie bien, mais il faut lui dire la vérité. C'est une catastrophe, son maquillage. Il faut qu'elle essaie elle prend des make-up artistes. Quand on va dans ce genre de cérémonie, on a une, comment on appelle ça, une glam team. Tu as un make-up artiste, tu as un coiffeur, tu as un maquilleur, tu as quelqu'un qui s'occupe de tes ongles, quelqu'un qui s'occupe de tes vêtements. Tu fais en sorte que tu sois impeccable. Quand on regarde les cérémonies au Nigeria et compagnie, dernièrement, ils ont fait une avant-première de Wakanda. Ils ont respecté le thème du début à la fin. On était en mode « waouh ». Mais quand on regarde les primudes, on est toujours un peu déçus. Il y a certaines personnes comme monsieur, le général ou d'autres personnes qui respectent les thèmes, qui s'habillent très bien. Mm-hmm. Et on a d'autres personnes qui portent des, comment on appelle ça, des sauts, des pocs. Franchement, je n'ai moi, pas je considère compris. Que c'est un manque de respect. C'est un thème, allons se laver. Regardez, ou par je exemple, sais ce pas. Gars comme ça, et à ce gars comme ça, c'est un manque de respect pour la cérémonie. Le thème, c'était quoi? Il n'y a pas de thème. Allons se laver. Et ce serait j'ai vu plein de peignoirs, de seaux, d'éponges. Et ce serait intéressant que le Mola, par exemple, donne un thème chaque année. Oui. S'il veut, avec thème un Afrique. Conclave des personnes qu'il... Oui, ça peut être thème Afrique. Et voilà, puis, on va, et voilà. Puis maintenant, tout le monde s'habille. Mais ne pas permettre ce genre de choses-là, parce que moi, je considère, je le répète, c'est un manque de respect vis-à-vis de la cérémonie et des personnes qui ont fait l'effort de s'habiller de manière convenable. Oui, il y a des autorités qui étaient le ministre de la Réconciliation. Quand c'est comme ça, on ne peut pas forcément avoir de sponsors, on ne peut pas avoir forcément de partenaires, parce que les gens n'ont pas envie de se greffer à des personnes qui marchent avec du porc, quoi. Venue du porc. Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Par exemple, j'ai vu un homme en... Voilà, bon. Quelque chose, moi, elle par était, contre, c'était la mieux habillée. C'était la mieux habillée. Ça, là, il n'y a rien à dire. Franchement, Emma Louès, c'était la mieux habillée. Son styliste, elle était toute son belle. Designer, Paul Lorrain, qui a voilà, réalisé Paul la Lorrain, je ne le connais pas, mais il a bien sa morphologie. Tout était top. La prestance, la grâce, franchement, c'était top. Ouais. Donc, c'est une fille qui est très intelligente. Voilà. Elle sait qu'elle part à une cérémonie qui, après Miss Côte d'Ivoire, elle a plus suivi. Si. Moi aussi, je le sais. Si. Donc, quand on va, on sait pourquoi on va. Effectivement. Monsieur Aziz 47 était très bien habillé dans un ensemble pagne, rappel à notre tradition, culture. Il était très bien habillé. Mais nous avons retrouvé son sosie dans la cérémonie. Ah bon? Nous avons trouvé le sosie de M. Aziz 47. Je ne sais pas si vous avez la photo. Vous l'avez vu là-bas? Ah oui. On fait un gros coucou à Stony qui a essayé de tricher, de copier M. Aziz 47. Il doit être un mystique aussi. Comment il a su que vous allez vous habiller comme ça? Il travaille chez vous? Non. Il n'est pas un stagiaire là-bas? Non, il m'a déjà brisé sur une chaîne déjà. Ah bon? Ouais. Vous allez vous venger tout à l'heure. Frappez le décécité. Allons à la pub. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud sur NCI. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Comme je vous l'ai dit, nous recevons ce soir
M. Aziz 47, qui renie être le président des féticheurs de Côte d'Ivoire, et le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, M. Makoso Camille. Tous deux originaires de la même ville, Oumé, ce soir, nous saurons qui des deux repartira avec le titre du fils prodige de la région du Gord. Je vais vous demander quand même de noter le doka. Hein? Donc, note pour le primude, si vous avez des notes. Ou des, voilà, pour le primude cette année, toi, c'était... Et vous, Monsieur Aziz, c'était ça, ça. Eh bien, moi, je suis mitigée. Hein? Je suis... d'habitude... Oui, non, non, sérieusement, je suis un peu mitigée. Je suis d'accord pour la cérémonie. Top, 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 top. Gros bisous à Mola. Mais par contre, je souhaite c'est un tout, hein, que pour l'année prochaine, en tout cas, s'il tient à me voir là-bas, que vraiment le dress code soit respecté, franchement. Il y va de l'image de notre pays. Mm-hmm. Voilà, gros bisous, Mola. J'ai hâte de poser une question qui me taraude. Général Makoso Camille. Oui, madame. Ou la dernière fois, parce que je sais que la question vous a été maintes fois posée. Où est située votre église? Localisation géographique précise, s'il vous plaît. Je vous remercie, franchement. Mm. Vous arrivez au niveau de... D'abord, il y en a trois sur Abidjan. D'accord. La première est au niveau de Yopougon, Karifou Tikenja. D'accord. La deuxième au niveau de Gonzagueville, Pobwe. Et la cathédrale que nous sommes en train de finaliser, pour laquelle il reste encore 35 millions, dont 20 ont été décaissés avant-hier, est au niveau de Bengerville, juste derrière l'EMPT. D'accord. Donc ça, c'est... Mais le temple principal, où vous officiez les dimanches? C'est Bengerville. Mais je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Vous êtes chrétienne? C'est pas important. Je vous le demande parce que tout simplement, ça va vous permettre de pouvoir mieux me comprendre. Non, non, je vous écoute. Je vais vous répondre. Parce que là, il y a Aziz 47, vous êtes là, donc... Vous m'avez posé la question, oui. Je vais prendre le soin de vous répondre. J'officie dans toutes ces églises, mais je fonctionne en qualité de chasseur. Mon rôle à moi est d'organiser les plus grands rassemblements évangéliques. Notre dernier rassemblement évangélique sur le stade de Gonzagueville a rassemblé exactement près de 12 000 personnes. Ça, c'est moi, mon rôle. Dans le domaine ecclésiastique et pastoral, il y a ceux qui sont les pêcheurs, c'est-à-dire les gagneurs d'âmes, et il y a ceux qui sont les éleveurs. Donc, il y a les chasseurs et les éleveurs. Je ne suis pas un éleveur, je suis un homme des nations. Là, je reviens d'une tournée qui m'a conduit principalement dans trois nations, dans le but d'aller gagner des âmes. Voici, moi, mon rôle. Je ne suis pas celui qui assiste tous les dimanches dans le but d'officier l'Église. Ça, c'est le rôle du pasteur. Je suis prophète évangéliste, à titre d'information. D'accord. Et... Bon, si ma question, c'est pour Aziz 47. Qu'est-ce que vous, en tant que féticheur et les féticheurs que vous côtoyez, qu'est-ce que vous faites pour le développement de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous apportez? Parce que eux, on va dire qu'ils prient. Oui. On va dire, je pense que vous priez aussi vos ancêtres, etc. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour le développement de la Côte d'Ivoire en tant que féticheur? Premier d'abord, cette question m'a été beaucoup posée. Mm-hmm. Mais vous savez, toi-même, ton propre fétiche que tu as là, si tu ne l'adores pas, ce n'est pas quelqu'un qui a adoré à ta place. Il faut d'abord respecter, considérer quelqu'un pour le mettre à la place où on doit le mettre. D'accord. Ici, en Côte d'Ivoire, l'État ne nous reconnaît pas. Oh. Il ne nous subventionne pas. Il n'a jamais aidé quelqu'un. On nous traite d'abord, l'Église catholique est venue d'abord nous anéantir. Ils sont passés par les moyens pour pouvoir détruire toute la base de notre tradition, notre base spirituelle en Afrique. Donc du coup, nous d'abord, on nous a dû coller une étiquette. Donc je peux dire qu'on n'a pas de base fils. Ceux qui ont des connaissances spirituelles, il y a des personnes qui soignent des maladies dont ils ont des dons. Il y a des personnes qui, aujourd'hui là, il y a des maladies qui tuent les gens ou d'autres avaient des dons, ils sont morts avec. Parce que leurs enfants les ont traités de sorciers. Madoureille, mot Dieu, tout genre, les gens sont morts avec. Parce que les gens ne nous considèrent pas. Avant de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait pour la nation, il faut chercher à savoir quelle considération d'abord que tu apportes à la personne. Les églises sont subventionnées. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, une église, mais s'ils ont un problème sur ton terrain là, ils régissent d'une humilité, lui qui est assis là, il connaît. Mais il faut aller construire un temple spirituel, mystique quelque part. Tu vas voir ce que l'État va te montrer. Je te dis la vérité, si Makoso a pris ta maison pour faire église et que tu veux le chasser, tu ne peux pas encore le voir ici. Il faut monter, tu vas descendre. Moi, je te dis, non, mes âmes vont partir où? Et le tas, il régit d'une immunité. Et tu ne peux pas. Mais si c'est ton terrain, vous comprenez? Mais est-ce que vous, on vous donne une immunité et vous frappez de cécité même l'État?
Frapper les yeux de l'État comment? Mais vous pouvez le faire parce que j'ai l'impression que les féticheurs sont beaucoup arrogants. Non, on n'est pas arrogants. Comme ils ont des pouvoirs, mais ils menacent beaucoup. Mais surtout lorsque vous êtes attaqué et à chaque moment vous humilie. Mais et si vous êtes dans la maison de quelqu'un, vous un féticheur, oui? Et que la personne a besoin de sa maison et il vous dit de quitter et vous le rendez paralytique? Non, nous, on ne peut pas le faire même parce que... C'est une attaque, il est venu vous attaquer. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui n'a pas affaire à nous. Mais moi... Comme on a dit tout à l'heure, s'il pense qu'il a quelque chose, moi, là, moi, c'est autodéfense. Tu viens te déplacer, tu violes la loi, tu viens entrer chez moi, moi, je t'allume... Et s'il a tout de suite, monsieur Makoso, vous lime. Mais Makoso, d'abord, j'ai dit que c'est mon frère. Non, non, non. Non, aujourd'hui, vous n'êtes pas parenté. Mais il ne peut pas me limer parce qu'il n'a rien pour me limer. C'est moi qui peux le limer. Aïe, ça va. Un manque de respect. Il est en train de vous manquer de respect, général. Non, c'est moi qui peux le limer. Lui, il ne peut pas me limer. Donc, du coup, il ne peut rien me faire. Tu crois que c'est pour te dire, tue Jésus. Ah, Jésus, il est où? Depuis là, c'est une attaque. Ouais, bah, oui. D'abord, je vais répondre à M. Aziz 47. Lorsqu'il dit que l'État ne les reconnaît pas, il faudrait que nous soyons sérieux. D'abord, il nous dit que l'Église catholique est venue et a détruit plusieurs bases de leur puissance. Cher ami, donc, il confirme ici sur le plateau devant le monde entier que l'Église a le pouvoir de détruire les puissances. Il vient de le confesser. Voilà la politique, monsieur. Allons pas à pas. Aziz, je vais prendre toi-même ta bouche pour te manger ce soir. Calme-toi. Mais c'est madame politique, monsieur. Partagez, partagez, partagez. Je viens. Partagez le coup du manteau. Le coup du manteau, le coup du manteau. Le coup du manteau. Le coup du manteau. Ça commence, hein. C'est lancé. Allons-y. Je donne la permission à l'animatrice de me permettre de le manger avec beaucoup de bruit. Mangez-le. C'est bien. Nous sommes fatigués des fêtes. Il faut que l'État les reconnaisse. Mais l'État les reconnaît. Il parle de tradition. Parce qu'il faut que M. Aziz soit sérieux. Soit c'est féticheur, soit c'est tadi patricien, soit c'est sorcier. Sinon, les garants de la culture, ce sont les chefs du village et les rois. Ils ont une chambre. Ils sont payés par moi, par l'État. S'ils ne font pas votre guet, ça, ce n'est plus la faute de l'État. Nous, à notre niveau, je tiens à vous informer, l'État ne reconnaît pas dans un premier temps parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Nous, là, évangéliques, là, on ne reçoit aucune subvention de l'État. On construit nos églises sur fonds propres. On paye nos terrains sur fonds propres. Donc, là, là, peut-être qu'on vous a donné une information maintenant au niveau des églises. Je prends ta maison, je ne paye pas. Au niveau de Yopougon et dans plusieurs communes, plusieurs églises ont été fermées parce qu'on estime qu'ils font assez de bruit. Donc ne pensez pas qu'on a une super protection. Non, 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 non. Dans ce pays-là, il y a des règles et il y a des lois. Le problème, M. Aziz, c'est qu'il faut faire la démonstration de la puissance. Si votre affaire, là, peut-être que... Mais attendez, vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas le pouvoir de convaincre le cœur du chef de l'État pour vous financer. Il est un peu chaud. Mais ça, c'est son avis à lui. Au roi de la marmaille que nous sommes, c'est ici un terrain de marmaille ici. Voilà. Ici, nous sommes à une émission. Nous, on n'est pas là pour envoûter quelqu'un pour prendre l'argent. Comme lui, il a la technique de marmailler les gens pour prendre l'argent, nous, on ne fait pas ça. Voilà. Nous, les gens doivent donner des choses d'eux-mêmes. Si l'État pense que nous, on existe dans ce pays et qu'ils doivent vraiment apporter quelque chose, quand il parle des rois, autour d'un roi, il y a toujours des prêtresses, il y a des commis partout. On existe à des endroits. Donc, on vous utilise en cachette. Vous n'êtes pas fatigué d'être comme, dans l'ombre. Nous sommes comme des prostituées qui sont à un endroit. Écoutez-moi. S'il vous plaît, attendez, attendez, ça m'intéresse. Nous sommes comme des prostituées à un endroit. Personne ne va là-bas. Mais elles sont toujours dans le couloir, elles sont toujours là. Mais c'est parce qu'on assimile forcément le fétichisme à la négativité. Mais qui nous fréquente alors? Puisque tout le monde est musulman. Vous pouvez citer des noms ce soir? Dans les règles de mon travail, ça ne se fait pas. Sinon, venez à mon cabinet. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'ai une amie qui dit que toi, tu n'es pas un vrai médium. Parce que elle, là, elle allait te voir pour faire revenir son mari. Tu as fait les trucs, tout ça là. Oh, on va se rendre compte, le monsieur, il a voyagé même, il est parti même. Il a dit, ah, mais j'ai le droit, tu es sûr. Bah, moi, j'ai dit, elle demandait, comme je dis, bon, je savais pas, Dieu merci, parce qu'elle savait qu'on était parentés, tout le monde me parlait de ça. Il dit, ah, Dieu merci, t'es vu. Tu peux dire le nom
Il ne peut pas. Oh, sinon, ça n'existait pas. Non. Moi, travail que je ne peux pas, je travaille chez moi. Je dors chez moi avec ma famille et mes enfants. Dans le domaine-là, ceux qui sont dans le fond, on les connaît. Ils dorment quelque part, ils travaillent quelque part. Moi, je travaille en bas de mon immeuble chez moi. Moi, j'habite au premier. Et tous ceux qui me prennent savent. Ceux qui sont prêts à faire du faux, là, ils sont toujours dans les coins cachés. Ils sont dans ma une achève. Quand ils finissent de faire, maintenant, ils gagnent en temps. L'immeuble vous appartient? Oui, c'est pour moi-même. Ah. J'en ai plusieurs. Hey. Non, parce que souvent, les gens disent que les féticheurs, tout ça, ils n'ont pas de maison. Ils sont dans des coins délabrés. Ceux qui se mettent dans cette position, je vous explique aujourd'hui. Je suis fatigué d'expliquer le côté sorcier et consort. Sinon, je ne suis pas un sorcier, je suis un médium. Vous comprenez? Le vrai problème qui est là, dans le fétiche, il y a plusieurs catégories. Il y a des esclaves et il y a des princes. Je fais partie des princes. Les princes, nous sommes riches. Un prince, dans le village des aveugles, seuls les bornes sont les rois, ceux qui ont un œil. Celui qui ne voit pas clair, qui partit du fétiche, est un homme pauvre. Parce que quelqu'un qui vient te voir, il faut arriver à le consulter pour voir sa vie et le convaincre si sa vie qu'il vit, qu'il sait que tu ne sais pas, pour que ça puisse le convaincre à respecter ce que tu dis. Donc, du coup, il y a des rois et il y a des choses. Des esclaves. Moi, personnellement, où je suis là, je ne suis pas de la lignée des esclaves. Des esclaves. Je suis un roi dans le domaine spirituel. Et depuis l'âge de 4 ans, et toute ma région en sait, ils ont parlé. Moi, mon grand-père était comme ça, ma grand-mère était comme ça, ils sont mariés. Et je suis le fils qu'ils ont choisi. Je parle devant la caméra et tout le monde sait actuellement. Que ce soit député, maire de chez nous, tout le monde sait qui est Aziz Karam. Des députés vont vu pour gagner les élections? Personne ne m'a vu pour gagner les élections. Monsieur non, Aziz pourquoi, 47, en fait. Je vais vous prendre au mot. Vous avez parlé tout à l'heure de votre région, mais votre réputation est un peu ternie là-bas, dans votre région, semble-t-il. Ternie sur quel plan? Vous avez déjà entendu parler de Yao Wat, alias Wenzin, du village de Blékoi. Oui. Il paraît que ce dernier-là est en train de rafler toute la clientèle dans la région parce que, un peu plus discret que vous, parce qu'on vous reproche d'être devenu commerçant. Mais est-ce que vous connaissez cet homme-là? Parce que c'est votre concurrent dans la région, hein? Je n'ai pas d'abord de concurrent. On dit qu'il est en train de rafler tout là-bas. Mais vous le connaissez déjà? Je le connais très bien. Ah, mais il est plus fort que vous? Je n'ai pas de concurrent dans la région. Mm-hmm. De deux, je vous ai dit que dans le village des aveugles, les bornes sont les rois. Watt a régné ici à Abidjan. Mm-hmm. Il travaillait pour une équipe de Côte d'Ivoire qui ne citerait pas le nom. Mm-hmm. Équipe de quoi? Il est fort dans médicaments des ballons. Mm-hmm. Je vous le précise bien. Je suis sur la toile, c'est très parlé. On se connaît très bien. D'abord, moi, je n'ai pas de clients dans ma région. Mais on dit que vous êtes commerçant. Vous n'êtes pas discret. Vous êtes sur tous les médias. Donc, les gens ont peur de vous. Mais c'est parce que on n'est pas sur tous les médias que les gens ne nous connaissent pas. C'est dans la contradiction qu'on trouve la vraie mais vérité. Votre travail a besoin de discrétion. Vous voyez, moi, par exemple, si je vais aller vous consulter, je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Mais mon travail, même, tu ne vas jamais savoir même qui vient me voir. Ah, parce que là, dans la région... Mais Wenzin, il est très fort, plus fort que vous, selon Wenzin, moi. Wenzin, c'est un ancien. Il est plus âgé que vous? Très âgé. Moi, c'est mon papa même. Ah, d'accord. Il est de la région, moi, mon grand-père. Il continue de régner dans le... Lui, il fait médicaments de ballon. C'est que nous, on sait de lui. On peut le voir? Pardon? On peut le voir avec des jeunes. Il fait ça ici, pour une équipe ici à Abidjan, et puis maintenant, il s'est repris au village. On se connaît. Il a fait gagner cette équipe-là? Beaucoup. C'est qu'elle est à sec? Non, ici, moi, j'ai demandé à lui-même quand vous allez l'inviter ici. Donc, nous, on le connaît dans le domaine du ballon. Le débat est beau. J'aime ça, le débat est beau. C'est la deuxième émission de la deuxième saison et je suis très contente de vous avoir invité parce que je découvre des choses, j'apprends des choses. Le général. Le général, tu as écouté longuement. Vous savez, moi, j'ai souvent la courtoisie d'écouter. Mais par contre, vous avez une très belle chemise. Hein? Merci bien. C'était la couleur de la tradition baoulé. Parce qu'il ne faut pas confondre tradition et fétichisme. Nous avons des danses traditionnelles. Mais hélas, et mille fois hélas, on me parle de quelqu'un ici qui a médicament de ballon. La Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée en Coupe du Monde. Bref, comme ce n'est pas lui qui est sur le plateau. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, parce que quand tu dis que tu aimes ton pays, ils ne sont pas organisés. Non, l'État ne doit pas nous reconnaître et autres. Il m'a présenté tout à l'heure comme le stratège de la Marmaïde. Il fallait venir me voir avec une offrande. J'allais te montrer comment dans votre milieu vous pouvez être mieux organisé en faisant l'identification de tous les médiums et tradis praticiens. Apprenez pas à demander. Revenons maintenant. Aziz,
tu es en face de moi. Et depuis très longtemps, toi et moi, nous nous cherchons, nous nous sommes trouvés. Le monde dans lequel nous sommes, soyons sérieux. Les pays qui sont réputés pour le fétichisme, quel est le niveau économique dans le monde? Il y a des pays tels que l'Haïti. Tu vas là-bas, c'est fétiche du matin jusqu'au soir. Conclusion zéro. Mais la majorité des nations qui ont fait de l'éternel leur Dieu, qui ont basé leur foi sur la chrétienté, même prenant l'histoire des États-Unis d'Amérique, ils arrivent, ils trouvent des Indiens féticheurs. Conclusion dernière. On nous dit que nous adorons des religions importées. Mais la question que j'aimerais poser est de savoir comment des Blancs peuvent venir avec les dieux, trouver notre Dieu, vaincre notre Dieu, battre notre Dieu, prendre nos enfants et faire des esclaves entre un Dieu perdant et un Dieu vainqueur. Monsieur Aziz 47, qui est-ce que je dois suivre? La Chine ne croit pas en Jésus pour être développée, monsieur. La Chine n'est pas la première puissance économique du monde. Ici et nulle part ailleurs. Attendez, monsieur Makosso, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma partie. Ça, c'est ma partie, ça. Je vous dis, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Sur NCI, Yvie de Rochaud, l'émission la plus suivie de Côte d'Ivoire. On ne fait pas bruit, voilà ça. On a réuni deux entités. Makosso Aziz 47, ou la première, c'est ici. Ça se passe, partagez. Aïe, aïe. Ils mettent aussi beaucoup de cœur. Aziz, numéro 1, la Chine n'est pas la première puissance économique au monde, ni la première puissance militaire. Numéro 2, les concurrents qui sont directs à la Chine, il y a la Corée du Sud. Yonggi Cho, le pasteur le plus populaire, qui est la plus grande église du monde, vient de la Corée du Sud. Je te prends des exemples concrets. Même la Russie dont on parle, l'église orthodoxe, ces personnes ont bâti leur foi sur la chrétienté. Maintenant, on parle de féticheurs, et on parle de christianisme. Aziz, dis-moi, quel est le pays fétichisme au monde qui a pu sauver son pays et qui a pu développer? On a en Côte d'Ivoire, on en a vu même en Afrique ici. On a des pays voisins qu'on connaît, que des personnes qui prennent le pouvoir sur le plan économique face à la Côte d'Ivoire, c'est poteau. Dis-moi, M. Aziz 47, le fétiche, l'eau que tu adores, au lieu d'adorer l'eau de vie que Jésus-Christ de Nazareth, le bois que tu adores au lieu d'adorer le bois vert que Jésus-Christ de Nazareth, le caillou que tu adores au lieu d'adorer la pierre angulaire que Jésus-Christ de Nazareth, t'as apporté quoi concrètement et apporté quoi cette nation? Aziz, tu cherches à adorer le véritable Dieu, mais hélas, tu es tombé sur la créature. Viens, Jésus t'appelle aujourd'hui. Je te donne la parole. Monsieur Aziz, aujourd'hui nous-mêmes on n'a même pas de questions. Je vois bien que cette émission, j'ai dit à Makosso, s'il n'arrive pas à me convertir en chrétien, il sera le représentant de tous les fétichistes de Côte d'Ivoire. Oh là! Vous savez quoi? On va lancer un face-à-face. On... Merci là-bas. On va lancer un face-à-face. 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 Ah. Face-à-face. Lumière. Nous sommes dans le face-à-face, cette nouvelle rubrique dans le Yvie de Rochaud, lorsque nous avons deux invités. Monsieur Makosso Camille, êtes-vous prêt? Le feu va rencontrer la terre. Monsieur Aziz 47. Poussière va sortir dans l'eau. Adama, on peut faire ça? Ils ont fait. Monsieur Makosso, est-ce que vous pouvez organiser une délivrance rapide et convaincre M. Aziz 47 ce soir de donner enfin sa vie à Jésus? Vous avez, je vais mettre le chrono. J'ai le chrono en face de moi. D'abord, le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Voilà. Donc, chaque vous avez. Chaque être humain. Vous avez deux minutes. Chaque être humain est libre d'accepter sa délivrance.
ou de la refuser. Vous ne pouvez pas venir dans le principe biblique dire à quelqu'un « je vais te délivrer au nom de Jésus ». On a vu des pasteurs s'amuser à cela avec des fous. Nous savons comment c'est fini. Mais M. Aziz 47 est lui-même dans un piège. C'est-à-dire, là où il est assis, le problème, c'est qu'il est déjà entouré. Je lance le décompte. Il est déjà entouré. Numéro un, derrière lui, il s'y trouve que 5 femmes ont le même don que moi. Ce sont des femmes qui voient depuis le bas âge. Malheur pour lui encore, à sa gauche, celle qui est assise a aussi le même don. C'est-à-dire, elle a un don prophétique. C'est quelque chose que Dieu lui a donné depuis son bas âge. M. Aziz 47 est une personne qui, dans le fond, dans son cœur, n'est pas quelqu'un de mauvais. Est quelqu'un de beaucoup d'amour, plein d'amour. Mais hélas et mille fois hélas, son parcours au sein de l'église christianiste céleste, comme lui-même il le dit dans sa biographie, et du fait qu'il a été perdu, il s'est perdu à l'âge de 4 ans, seul abandonné dans une forêt, selon ses dires, pendant 1 ou 2 ans, a beaucoup traumatisé un homme qui aujourd'hui se cherche et a besoin de découvrir la véritable lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aziz, tu travailles avec les esprits de mort, tu parles avec des morts, tu composes avec les morts. Les morts sont morts, ils n'ont plus de souvenirs. L'esprit de mort ne te donnera aucune solution. La seule et véritable solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux d'être face à toi. Parce que certaines personnes ont dit, cet homme n'est pas un homme de Dieu, cet homme n'est pas un véritable pasteur. J'ose croire qu'avec la queue de cheval que tu as, tu pourras devant tout le monde me lancer un sort. Je te donne la permission et je te défie devant la nation tout entière. Lance-moi le sort que tu as et je prends la chaîne à témoin. Ils seront responsables d'un cadavre sur le plateau. Et nous, on a quoi à voir dedans? Nous, on n'est pas dedans. Hein. Ça, c'est un vous, les gagots. Hein? Il te reste encore... C'est 1 minute 34, c'est fini. Les 1 minute 34, je viens devant M. Aziz. Non, il reste quelques secondes. Non, Aziz. Il faut rester là-bas, sinon on ne va pas te voir. On ne te voit pas. Où? On ne te voit pas. Il faut te mettre à la lumière. On met alors la lumière. Non, non, non. Viens, viens. Voilà, voilà, voilà. Mets-toi à ta place. Je suis là. À ta place, on ne te voit pas ici. À ma place. Oui, oui, oui. Et Aziz, c'est gâté aujourd'hui là. Je te donne la permission. Au nom de tes ancêtres. Enlevez la chaîne des dents. Donc toi-même, tu seras un ancêtre bientôt. Comment peux-tu adorer des ancêtres? Peut-être que c'était des ancêtres. C'est fini. C'est fini. Aziz, je suis face à toi. Vas-y. Bon, 2 minutes 11. On reprend. Monsieur Aziz, êtes-vous prêt? Très prêt. Top, c'est parti. Merci beaucoup et j'aimerais dire au roi de la Marmaille. D'abord, moi, je ne me vois pas en train de discuter avec un pasteur. Parce que de tout ce que j'ai dit, aucun verset biblique n'est sorti. Donc, je suis en train de parler avec un homme d'affaires de la haute Marmaille. Étant quelqu'un qui a été collaborateur dans les services de l'État, je pense bien que le mot Marmaille vient de tout ce qui est escroquerie et anarque. Donc, personnellement, en parlant avec un marmailleur, je pense que Marco Tso doit se retrouver une place sur la toile, pouvoir donner des conseils aux gens comment se guider. Sinon, côté pasteur, je ne fais pas défi avec... Je ne suis pas en défi avec quelqu'un. Ça, c'est clair. Donc ici, je suis cri-cri-cri, caralagnon, à Kounia, balé goutou, n'y a pas de jambon, 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 n'y a pas de jambon. Je suis comme Pirjoie des morts. On partage tout le retail, personne n'est prêt à prendre son Pirjoie. Je suis comme... Quand il mange un c***, il n'y a pas piqué dedans, mais tu vas lever ton pied rapidement. C'est mon nom qui a dit ça à ma côte. Tu dis quoi, mon frère? C'est bon? Merci. Donc, vous nous suivez sur le Yves de Rochaud, sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vraiment, c'est parce que mon visage est blanc, vous ne pouvez pas voir. C'est comme un poulet, on ne voit pas sueur de poulet. Sinon, je transpire actuellement. Je transpire, mais on ne voit pas. Vraiment, c'est chaud dans le studio. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Eh bien, jeu d'acteur, envoyez-moi un plateau avec des fruits. Je vais marmailler ces deux vieux pères là. Aujourd'hui, je vais les transformer en vendeuses ambulantes. Il y a un gros cadeau en jeu. Mets un devant M. Aziz et puis un devant M. Makosso. Je vais les transformer aujourd'hui. Il y a le cadeau en route, hein. Un cadeau en jeu. Voilà. Et moi, c'est ça qui me met toujours dans le problème. Émission, on va faire doucement, là. Je suis à l'écran. Voilà, par là, maintenant. Je suis là, dans non, mon habit déjà. C'est un moment de confrontation d'esprit et de puissance. On s'est testé tout à l'heure. Ah, voilà.
Tout à fait. Et selon vous, les chroniqueurs, ils se sont testés. Oui, oui. En tant qu'une gagou. Oui, en tant qu'une gagou, ce sont mes deux grands frères, mes papas. C'était chaud. Mais j'ai été encore évangélisée quand ils parlaient. J'ai été touchée encore. Tu trahis. Non, moi, je suis chrétienne. Oui, j'ai trahi. Ah. Demande-lui une vision. Lui a jamais dit ce que j'ai dit. Ce que le... Bien sûr. Tu es une prophétesse? Aïe. Elle a nommé par un petit Jésus perdu. Oh! Patrick Edouard, si tu devais... Mimi, si tu devais noter, tu as une note là-bas ou bien non? Bon, attends, j'ai les meilleures notes ici avec moi. Si toi, tu devais noter de 6 à 10, le général Makosso, tu lui donnerais combien? 10. 10 pour le général Makosso. Elle a nommé par quoi? Un petit Dieu. Patrick Edouard, si tu devais noter, qu'est-ce que cet échange, ce débat? C'était assez houleux. On demande au moins à ces esprits-là de se calmer un peu parce qu'il s'agit de spiritualité pour permettre à tout un chacun de pouvoir mieux les percevoir et mieux les cerner. Et non, si moi, un petit lâche comme ça, il a peur de prendre un sort. Non, mais voilà. Et donc, c'est un tabanan. C'est un tabanan. Et si tu devais donner une note à Makosso? Je lui donnerais un 9. Un 9. Je ne donne jamais 10, mais bon. Un 9. Gobia. Moi, toi qui es très porté sur le mysticisme. Oui, non, pour Makosso. Le général Makosso Camille a eu quand même le dessus, hein, parce que c'est lui qui s'est emporté, il s'est permis même de saisir, de le prendre par les collets. On par a le vu pagne, les micros, par le pagne et tous les micros sauter par-ci, par-là. Moi, j'ai été vraiment édifiée par le général Makosso. J'ai vu le féticheur se chercher un peu, bon, peut-être physiquement, le général Makosso le bat, mais là, vraiment... Je donnerai 10 au général Makosso. Oui. Okay. Combien tu donnerais? Combien tu peux donner à M. Aziz? 7. 7? Ok. 7 pour. Et toi? Je vais donner 8. Un 8? Ça sera un 8 pour Aziz 47. Et toi, Gobia? 6. Ah. Un 6. Et le public, Aziz ou Makosso? Ah. Eh bien, moi, je dois les noter aujourd'hui. Non. Je donnerai... Tu es déguisé une féticheuse. Non. Je donnerai un 10 à Aziz, 47. Parce que moi, je suis musulmane. Je ne suis pas représentée sur ce plateau, malheureusement. Ça aurait été bien aussi, la prochaine fois peut-être, certainement. Mais je suis quelqu'un qui a aussi une mentalité assez ouverte. Je suis smart. Donc, je me dis qu'il faut quand même aussi donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer, à chacun de pratiquer ce qu'il a envie de pratiquer. Voilà. Voilà, donc je lui donne un 10. Voilà. Et je donne également, donc je donne un 10 à Aziz, et je donne un autre 10 à Makosso. Ma mailleuse. Je donne un 10 à Makosso parce que, comme je le dis, hein, je le dis tout le temps, chacun a son ministère. Et il sait très bien défendre son ministère, et je lui souhaite bon vent. Hein, pour les 15 millions restants, je verrai quoi donner. Je verrai ma participation. C'est bien. Voilà. Et Aziz, as-tu un temple que tu veux construire également? Ou chez vous, est-ce qu'on appelle temple? On dit temple ou... Non, on est en train de préparer, d'ouvrir des cabinets pour former des enfants qui vont aider les personnes en difficulté. Ah bon? Je recrute seulement ceux qui ont des pouvoirs, ceux qui ont des dons bien précis. Il y a des gens qui soignent un mot d'yeux, d'autres ont un mot des dents, d'autres ont un mot des reins. Je connais quelqu'un qui soigne la carie par la cheville. Il met un médicament sur ta cheville et ta carie, ça se calme automatiquement. C'est un don de famille. Il y a des gens qui soignent panari, ou il y a des maladies aujourd'hui qui pressent la bouche déjà, des personnes qui ont ce don-là dans leur famille. C'est ceux-là qui ont des dons spécifiques qui sont en train de recruter pour pouvoir vraiment aider la population. As-tu un numéro de téléphone ou avez-vous, pardon, je t'ai tutoyé? Oui, mon numéro c'est 07-07-82-37-57. 07-07 82-37-57. 37-57. Et le président de la Mamaï? Écoutez, moi aujourd'hui je suis plus penché sur un programme qui me tient à cœur depuis plus de 5 ans.
qui est le programme de financement des projets de jeunes de la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement, la plupart des personnes qui nous sollicitent, mon général, moi j'ai besoin de 100 000 pour faire quelque chose et autres. Et aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que nous sommes en train de nous organiser. Nous avons lancé la plus grande opération d'identification de tous les jeunes. Actuellement, nous sommes à près de 7 800 jeunes qui se sont déjà identifiés par le WhatsApp que nous avons mis en ligne pour que les personnes qui veulent faire quelque chose, par exemple, ça c'est un coffret de fruits, il y a des filles qui ont besoin par exemple de 200 000 francs pour faire quelque chose, pour ne plus retourner dans la prostitution. Et c'est toutes ces personnes que nous sommes en train d'organiser dans le but de pouvoir les financer à hauteur de 100 000, 200 000, etc., etc. Et toutes ces personnes qui nous suivent actuellement, qui sont au niveau d'Abidjan, il faut juste amener le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance, le type de projet, le montant du projet à un seul WhatsApp, 00225 07 07 28 30 30. Vous amenez, et ceux qui ont les meilleurs projets seront recrutés, parce que je ne peux pas avoir la grâce de toucher à beaucoup d'argent, d'avoir des relations et puis voir des jeunes souffrir parce qu'ils n'ont pas 100 000 francs pour commencer une activité. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Oui. J'aimerais dire au général Makosso qu'il arrête ses marmailles de tout ce qu'il a tenu compte. La charité est bonne en dehors, commence par soi-même. La population souffre énormément. Nous sommes les plus minoritaires de Côte d'Ivoire. Makosso n'a jamais rien fait. Ni aller saluer ses parents. Non, attendez, non, il va terminer, monsieur. Je vais te répondre. Ça chauffe. Non, sont de retour, je vais te dire. Arrête ta marmaille. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Essayez de flatter les personnes. Non, mais attendez, monsieur Makosso. Monsieur Makosso, laissez-le terminer, monsieur. Je prends la parole. Laisse-moi terminer. Termine. C'est le mec qui te suit dans le fait de Jésus. Lui, il connaît que toi, tu n'as jamais pu au vieil. Et tu n'as pas le parler, il te suit dedans. Elle-même n'a pas dit si tu n'as jamais pu au vieil. Donc, elle est gagou. Donc, tu fais la tête. Gagou n'a pas besoin de ça. Excusez-moi. Vous êtes Gagou? Je suis Gagou de Diego Nefla. Monsieur Makosso a fait quelque chose au village. Non, attendez. Est-ce qu'il fait quelque chose pour le village? Non, mais moi, je ne vais pas trop au village. Je vais mais pas pour les Gagou, vous avez déjà entendu des Gagou témoigner? Il n'a jamais mis pied. Ah, mais elle dit que les Gagou témoignent. En tout cas, certains Gagou parlent de ce qu'il a fait. Où? Comme quoi? Moi, j'ai ça en main. J'ai organisé Varitoscope, on a remporté. Ce matin, j'étais à Diego Nefla pour la remise de Varitoscope pour vice-champion que moi-même j'ai initié, dont j'ai donné le nom. Et l'année passée, c'est moi encore qui ai créé le Wabanu System Doumé où on allait en finale. Je fais ce que je peux faire dans ma région. Je ne suis pas millionnaire, je n'ai pas d'argent. Et j'ai produit presque la grande partie des artistes de chez moi. Makosso le fait pour les étrangers. Makosso donne 1 million, il se bat sur téléphone, il regarde, il va donner 1 million. Les bancs, lui, ont fait quoi pour que ce monsieur ne mette pas pied et ne fait rien pour les bancs? La charité, bien le connaître, donner pour un pas soi-même. Il faut faire d'abord pour ton peuple. Le peuple ne le reconnaît pas. Demande à un chef Gagou s'il connaît Makosso. Donc, me discute si Makosso est Gagou ou pas. Moi, je ne dis pas qu'il est Gagou. Je dis qu'il est Gagou. Mais on ne le connaît pas. Donc, tous ces trucs en train de dire si c'est un système là, il n'a qu'à arrêter sa marmaille. Et s'il vient? Il va venir quand? Non, parce que moi, je connais Makosso. Il fait beaucoup de dons. S'il commence à faire des dons à. Non, s'il commence à faire des dons à Oumé, et que par jalousie, vous lui lancez un sort. Comment on fait? On perd Makosso. Nous perdons un Makosso. On lance pas soi à quelqu'un. Nous-mêmes là-bas, il y a des chrétiens là-bas. Lui, pour là-bas lancer soi, elle a tout à dire, pour là-bas lancer soi. Quelqu'un qui a envie de faire quelque chose, il ne peut pas le faire. Oui, laisse-moi répondre. Ce monsieur est méchant contre les Gagou. Et les gens l'ont dit dans le noir. Je viens lui dire ça en face. À la lumière de Yves de Rochaud. À la lumière de Yves de Rochaud. Monsieur Makosso, laisse ça. Encore. Yannick, voilà, Monsieur Makosso, très rapidement, on est à la fin. On va faire le jeu et puis on va se laisser. Monsieur Aziz, il a parlé avec beaucoup de passion. Et hélas, nous ne sommes pas du même village. Je suis de Tiegba. Il n'y a rien qui a fait là-bas. Laisse-moi finir. Tu as parlé, je t'ai écouté attentivement. À titre d'information, je reconnais, d'abord numéro un, je ne suis pas une personne qu'on a élevée dans la tradition du village. Ça, c'est d'abord un. Numéro deux, Jésus lui-même, là, quand il a commencé le ministère, il n'a pas commencé dans son village. Il a commencé d'abord... Donc, quand tu veux faire ça, c'est à faire le ministère encore. Toi, demain, tu es chrétien, pas que l'on va devoir faire don. Arrête pour toi, ça ne prend pas. Tu veux pas que je finisse? Mais laissez-le finir. Non, mais il faut que on est dans une émission sérieuse, dans une télé sérieuse. Avec un garçon, un mystique sérieux. D'accord, donc écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, allons-y. Vous m'avez plusieurs fois interpellé, monsieur Aziz. Au téléphone. J'aimerais maintenant vous donner les bonnes nouvelles. Il y a longtemps, il dit ça, on ne voit pas. Oh. Mais laissez-le finir. Monsieur Aziz. Tu peux parler maintenant. Commencer aujourd'hui. Au niveau de Tiegba est déjà acquis. Vérifiez l'information dès ce soir.
et vous me revenez. Nous allons prendre le soin de construire l'école. Nous allons. Quand j'ai dit nous allons, je n'aime pas dire j'ai, parce que je n'aime pas me tirer à moi seul la gloire. Rien n'est fait. Même quand Dieu parle, il parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre le soin, dans un premier temps, construire l'école au niveau de Tiéba. Mais, j'aimerais vous dire une chose. Je ne suis pas de ceux qui vont prendre le soin d'être régionalistes et autres. Ce que vous dites, c'est tout à fait normal. Je suis dans une position nationale. La Côte d'Ivoire est mon pays. Au niveau de Dabou, je suis chez moi. Au niveau de Tiéba, je suis chez moi. Je suis chez les BT, je suis chez moi, parce que c'est tout ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Je suis un Ivoirien. Je me mets au-dessus de mon ethnie. Parce que si nous voulons parler de nation, nous ne devons plus nous concentrer sur notre région, sur notre village. Mais nous devons voir la Côte d'Ivoire comme étant notre village. À partir de là, nous sommes ce qu'on appelle des nationalistes. Je fais ce que je peux faire pour certains Ivoiriens. Vous m'interpellez sur ma région. Nous reviendrons à notre région. Mais en tant qu'un leader qui a une vision nationaliste et patriote, considérer que la Côte d'Ivoire est mon village. Je ne veux pas être limité seulement à ma région. Présenter mes excuses aux gens de mon ethnie, comme je vous l'ai plusieurs fois demandé, mais dites-leur, quand un chef arrive, il sait arriver. Je ne viens pas pour m'amuser. Calmez-vous, je viens de vous apporter la lumière. En attendant. Merci. Eh bien, nous allons terminer dans peu de temps. Hein. Le cadeau est là. Vous pouvez mettre le cadeau là, s'il vous plaît, au milieu, pour qu'on puisse... Déjà, vous pouvez donner déjà à chaque invité pour qu'il jauge le cadeau. Donnez un peu à Makoso pour qu'il jauge. C'est lourd. Le cadeau est lourd. C'est lourd. Donnez. Non, non, prends. Je suis convaincu que prends. Ce n'est pas la tête d'un ancêtre. Va donner à monsieur. À monsieur Aziz aussi, qui jauge. Et je prie que ce soit des Bibles. Monsieur Aziz, vous qui êtes un grand. Qui était petit, on m'a dit Jésus revenait, mais on ne l'a pas vu. Donnez-lui. Vous qui êtes un visionnaire, un médium. Mets ça au milieu, s'il te plaît. Vous qui êtes un visionnaire, un médium. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous voyez dans, ce, dans cette boîte? Je ne vois pas dedans. Comment? Je suis venu faire débat. Oui, et puis d'abord, vous ne m'avez pas dit qu'il vient faire débat à lui. Comment ça, on ne m'a pas dit? Merci. Non. Monsieur Makoso, vous qui êtes pasteur, est-ce que vous pouvez un peu... Non, je pense que c'est quelque chose de symbolique. Ah, d'accord. OK, c'est très bien. Ça s'applaudit. Eh bien, je vais vous demander de faire un jeu d'acteur, monsieur Makoso. Vous êtes à la gare UTB d'Oumé. Vous venez au milieu. Vous êtes à la gare UTB de Oumé. Et vous voulez faire acheter tous vos fruits parce que vous devez rentrer ce soir aider votre femme. Alors. Dama. Toi-même, faut voir. Je dois vendre ça là. Oui. À qui? Non, c'est-à-dire vous êtes à la gare de Oumé. Et vous devez vendre ces fruits-là pour rentrer ce soir, pour offrir un beau cadeau à votre femme. Donc, vous devez séduire les clients. Les clients, ce sont les téléspectateurs. Ils voteront sur Internet, sur Internet. On saura à la fin qui a gagné. Banane béni, banane béni, banane béni, banane béni. Papa béni, papa béni, papa béni. Orange béni. Il y a des fruits, quand tu manges, tu es sûr d'aller au paradis sans passer par la mort. Il y a des fruits, lorsque tu les dégustes, ça nettoie toutes les mauvaises ondes dans ta vie. Les esprits des anciens ne peuvent pas te toucher. La malédiction du vilain ne peut pas te toucher. Venez acheter les fruits bénis de Dieu. Bon, dépose là-bas. En tout cas, je pense que ce sont les spectateurs qui vont voter. Asseyez-vous, monsieur Makoso. Les spectateurs vont voter. Hey. Monsieur Aziz, avant tout, chauffer. Avant tout, ça va chauffer. Ça chauffe pas. Faut pas refroidir. Monsieur Aziz, ça va chauffer. Ça va chauffer. Monsieur Aziz. Voilà moi. Voilà. Vendez aussi vos fruits. Il y a ananas, il y a banane, il y a pomme. Nos ancêtres ont souffert pour planter cela avec amour. Et au nom de leurs ancêtres, mangez ça pour avoir une bonne digestion. Venez payer parce que ça pourra vous faire du bien. La terre-là nous appartient. Et c'est cette terre-là qui nous a produit cela. Ici, là, on n'est pas en Israël. Venez, c'est la terre de Côte d'Ivoire qui donne cela. Eh bien, pour cette... Attendez. Pour ce premier match, qui a remporté selon vous? Aziz? À l'unanimité? Aziz. 1-0. 1-0
1-0. Nous avons un jeu de diction. De concours de danse d'abord. Ok, Cinti, je me dis un concours de danse. Ah. Mettez le premier morceau pour Makoso. On est dans quoi? Je vous dis que c'est une émission du début à la fin. On est dans le show, on est dans le mouvement. Je suis très heureuse de cette émission. Je suis très heureuse. Alors, toi qui me regardes, si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu es en train de pleurer, arrête de pleurer. Si tu es un gourmet, que ce gourmet soit guéri. Parce que ce soir, nous sommes avec deux entités, deux gagous. Monsieur Makoso Camille de Oumé et Monsieur Aziz 47 de Oumé. Monsieur Makoso, le président des pasteurs de Côte d'Ivoire, Sassa Broly. Monsieur Aziz 47, celui-là même qui réunit être le président des féticheurs, parce que derrière village, il y a village. C'est un féticheur qu'on n'est pas la puissance d'un autre féticheur. Et en tant que féticheur, chien mange pas chien, on ne peut pas se lancer des sorts. Donc il préfère rester comme ça, sans titre, n'est-ce pas? Voilà. Sans titre. Mais un petit titre quand même. Oui. Un titre de... Je suis féticheur médium. Féticheur médium tout court. Tout court. Simplement. Je suis président de quelqu'un. Pas président de quelqu'un. Nous lançons le son du féticheur. Donnez-moi un son mystique. Et... Oh, dans les apos. 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 Deuxième match, selon vous, qui remporte? C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu Makoso dit que lui, à l'âge de 4 ans, il était au village et puis il est rentré dans la forêt. Et il a vécu lui seul dans la forêt pendant 2 ans. Aziz, pourquoi tu fais ça? Tu mangeais comment là-bas? 2 ans à l'âge de 4 ans, toi, tu te rappelles que tu étais seul dans la forêt. Aziz, qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que les ancêtres t'ont fait? Monsieur Aziz. Merci beaucoup. J'aimerais dire à Makoso, quand tu ne connais pas le fond d'un travail, tu ne peux pas juger comment ça se passe. On a des personnes qui font des initiations de 21 jours, tombent sans manger. Ils tombent dans. Pas à 4 ans. Mmh. Je te dis que je suis en train de parler des choses que tu as plus compliquées. Mmh. Qui tombent dans tombe sans manger pendant 21 jours. Il y a des personnes qui ont existé selon leur vie là-même. Ils n'ont pas têté et d'autres ne mangent pas la nourriture d'une femme si ce n'est pas pour un garçon. Il y a beaucoup de critères dans notre travail. Il y a des personnes qui sont disparues, qui ont fait plusieurs années. Ce qu'on appelle les totems. Oui, il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'il ne connaît pas parce que ce n'est pas son milieu, lui, il est chrétien. Mais j'aimerais dire à Makoso qu'à 4 ans, quand il était perdu dans la forêt, là, Makoso était en train d'agresser les gens à Bobo. Asi n'est pas sérieux. À ce moment, il était gangster. Tu as 38 ans, moi j'ai 33 ans. Tu as 48 ans, j'ai 43 ans. À quel moment, à 4 ans, il était dans des années? Mais tu dis qu'il a disparu pendant 2 ans. À ce moment-là, maintenant, au moment que moi il disparaissait, où il était perdu là? Quand tu étais né là? En même temps, tu étais devenu agressé à Bobo. Aziz. Mais c'est ça. C'est de quoi il s'agit? C'est ça. On va vous prendre. Je vais vous prendre un dernier mot chacun avec le dernier jeu et puis remettre le cadeau au gagnant. Il va déballer son cadeau devant nous. Monsieur Makoso pour la jeunesse, un mot. Moi j'aimerais dire quelque chose d'assez fort aux jeunes de Côte d'Ivoire. Vous savez, on est la 10e puissance économique de l'Afrique. Moi, je ne veux pas rentrer dans la foi personnelle de chaque personne. Je respecte Aziz pour ce qu'il fait, pour sa croyance. C'est la liberté de foi. Mais si nous focalisons notre esprit sur
l'amusement, nous risquons, dans un futur très proche, de devenir la 15e puissance, c'est-à-dire reculer. Quand on regarde le développement que nous avons c'est actuellement, si les jeunes ne se mettent pas au travail maintenant, moi je suis retourné à la terre, je suis devenu planteur. Dans le domaine de tomates, je me fais plusieurs millions. Il faudrait que les jeunes puissent comprendre maintenant que la Côte d'Ivoire est un pays extrêmement jalousé. Si nous ne nous mettons pas au travail maintenant, nous risquons même de perdre toutes les stratégies économiques et tous les ports économiques de notre pays. C'est le message que j'aimerais donner aux jeunes. Monsieur Aziz. Moi, personnellement, j'ai toujours dit aux gens de croire en eux-mêmes d'abord que de croire au surnaturel. Je vois tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a des personnes qui disent ont la foi que Dieu va faire tout pour eux. Je leur dis de croire en eux-mêmes, de croire au travail. Seul le travail paye. Dis que tu vas aller t'asseoir, quelqu'un va te dire béni, oui, oui, amen, et qu'il va te donner quelque chose. Arrêtez cela. Crois en toi et cherche-toi un métier. Et concentre-toi sur ce que tu fais. Aie la foi en ce que tu fais. Avant d'avoir la foi en n'importe quel Dieu, aie la foi en ce que tu fais et tu vas réussir dedans. Merci beaucoup. Je tenais à saluer, comme je le ferai à chaque fin d'émission, une dame qui vit en Europe, qui nous suit, qui s'appelle MP Beaucoup, à M. Rolando Blackman, je t'aime beaucoup, à Mme Locrou Rosemonde et à Chomoroba. Gros bisous à toi, je sais que tu me suis, mon amour. Je t'aime. Asie, tu as remarqué que toutes les personnes dont ils citent le nom, ils ont l'argent. On n'a pas fait la remarque tout à l'heure. Elle connaît son travail. C'est ta fille. Tu réunis ta fille maintenant? Non, mais toi, tu l'as formée. Non, est-ce que tu réunis ta fille? Non, là, tu dis, c'est mon papa. Aïe! Mais Yannick, tu es mon papa aujourd'hui aussi. C'est lui qui est. Non, tu es mon papa aussi. Es-tu une marmaille? Non, mais Aziz, tu es mon papa aussi. Maintenant, là, dans ce que tu fais là, si quelqu'un me provoque, je t'envoie un message SMS. Mais ça, là, faut pas durer, mais dedans, envoie-moi ça rapidement. Oui! Le dernier, ça sera mettez-moi une. C'est le masque qu'ils font. Voilà, c'est ça. C'est quoi? Le plus. Et le moins qui font force. C'est ça. Donc le moins et le plus. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas le mal, le bien n'existait pas. Ouais. Vous devez comprendre que c'est comme ça que le monde est conçu. Parmi nous ici, il y a des mauvaises personnes qui pensent mal des autres. Pour rien. Pour rien. Et il y a des personnes qui cherchent à réussir pour leur famille. C'est ça. On est mélangé ici. On est mélangé. Donc c'est tout ça qui fait le truc. Le monde. Je peux vous donner un exemple simple. Quand on nous dit par exemple qu'on va délivrer ou bien on va faire beaucoup de choses, je suis d'accord avec ça. Mais imaginons qu'il n'y a plus de fausseurs, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de bandits. Les gardes pénitentiaires vont devenir qui? Chérie, mettez-moi un son pour le défilé de Bagnon, s'il vous plaît. On va finir en Bagnon. Mettez-moi un son, monsieur Makosso, le général. Toujours moi d'abord. Oui, oui. Aïe. Mais tu dis que tu es général et puis tu ne veux pas commencer les choses. En fait, c'est un signe annonciateur pour dire Dieu d'abord et les ancêtres après. Et Allah. Merci, 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 merci. Oui, ça va, petit mannequin? Adama. Mettez-moi un son pour M. Aziz. Nous allons voter. M. Aziz. L'esprit d'Abobo l'a pas encore goûté. Voici le défilé de l'enfant prodige Doumé. Ouais. La classe. Une petite phase. Les Ivoiriens sont de très beaux hommes. Ouais. Franchement, les Ivoiriens sont très beaux, franchement. Hein? Monsieur Makosso, Monsieur Aziz 47, ils sont beaux. Hein? Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il m'a dit qu'il a 48 ans, j'étais un peu étonné. Belle vous avez 48 ans? Ouais. Oui. Très bel homme. Ouais. Très, très bel homme. Mon petit frère qui est assis là, il fait bruit là. Aziz, ici on n'est pas dans fait de petits frères. Selon vous, Monsieur Aziz 47, pas de quoi. Ah, c'est qui a gagné le excusez-moi. Qui a gagné le premier match? Non, c'était Monsieur Aziz. Deuxième match, Monsieur. Donc qui gagne en totalité? Non. Attendez.
attendez. Prendre le cadeau, c'est le grand frère. Le petit frère ne peut pas prendre le cadeau devant le grand frère. C'est le grand frère. Dans la culture et la tradition, c'est lui qui mérite le cadeau. Donne au grand frère. Grand frère. Alors, ton petit frère te donne son cadeau. Non, il va venir ici, tu vas lui donner. OK. Viens prendre le cadeau ici. Et puis on nage, hein? Il va ouvrir le cadeau devant nous tous. Parce qu'il ne faut pas, il va aller là-bas, il va dire non. Il n'a qu'à ouvrir devant nous tous le cadeau. Je suis son papa. Ouvrez le cadeau devant tous. Ce cadeau vient, c'est un cadeau de votre soeur Gagou. Mimi, tu confirmes? Qui leur offre ce cadeau. Mimi leur offre ce cadeau. Leur sœur Gagou, elle offre, vient t'arrêter à côté de tes grands frères. Tout est prophétique. C'est une fierté. Mimi, c'est une fierté. Faites sortir le cadeau. Ah bon? Toi, tu finis de cadeau.